La culture, c'est notre développement. Bienvenue dans la maison des fleurs vertueuses et du poisson de Arnaud Nyani, 6 à Ronkame, non loin des feux tricolores, en allant au carrefour à Zorwe. Dans la pisciculture et également dans la floriculture. Ça fait plus de 20 ans, 30 ans que je suis dans les plantes. Et je suis né de père et de mère, ingénieur agronome. Donc c'est depuis la maison à bas de 7 ans, près de 7 ans que moi j'ai commencé déjà l'agriculture. Je l'ai dénommé jardin de pêche. Jardin de pêche parce que ici nous faisons du jardin. Nous faisons des fleurs, les fruitiers et également nous faisons la pêche, la pisciculture. Nous produisons du clarias et les tilapia. Donc c'est une maison qui, en tout cas, qui rentre dans un système intégré d'agriculture. Ici, par exemple, c'est une maison des plantes sur toit vertu. Toutes les plantes ont des vertus, mais il y a des plantes qui dégage de grandes vibrations. Donc on en produit et on montre à la population que au fait derrière les fleurs il y a quelque chose, il y a la vertu de ces plantes là qu'on peut déjà utiliser à la maison, telles que les plantes qui dépolluent l'atmosphère, des plantes dépolluantes, des plantes médicinales. Et bien d'autres plantes, des plantes ornementales, ainsi de suite. Merci. Les plantes, la langue de belle-mère ou sansevieria, c'est une plante dépolluante. Donc parmi la catégorie de toutes les plantes, il y a des plantes qu'on appelle des exceptions dans les plantes qui 24 heures sur 24, ils absorbent du CO2. Ils absorbent de l'ammoniac et ils rejettent de l'oxygène. Donc, en quelque sorte, ça purifie votre espace. Donc, au niveau des maisons, au niveau des espaces de détente, nous, on propose ce genre de plantes pour pouvoir purifier quand même l'atmosphère de la personne et de l'intérieur. Donc, c'est des plantes d'intérieur qui nous aident à mieux respirer chez nous. Donc la langue de belle-mère a ce côté-là. Non seulement il a le côté aussi médicinal qu'on peut utiliser pour le traitement au niveau des reins. Quand vous avez mal aux reins, on peut utiliser la langue de belle-mère en découpant et en faisant l'infusion. Actuellement, on en trouve du silu, les silu noirs. On en trouve également les tilapia. Mais cette année, on est en train de curer, comme vous êtes en train de faire, on est en train de faire du fonçage. Donc on est en train d'enlever les boues pour mettre l'étang à un niveau où il y aura plus d'eau. Ça nous permettra de lever une autre variété de poissons qu'on appelle les pingalus. Donc c'est une nouvelle espèce qui vient de sortir et nous voulons quand même aussi expérimenter sur le site. Pot kid, non. C'est un problème de vocation. C'est quand vous êtes appelé vers, quand vous avez la volonté, la vocation, vous pouvez être, parce que ça a besoin, c'est un problème d'esthétique, d'entretien et de finesse. Quand on parle des fleurs, c'est l'entretien, c'est la beauté, c'est la finesse des choses. Donc ce n'est pas tout le monde qui peut devenir. Et quand vous devez être à l'écoute des plantes, à communiquer avec les plantes, votre passion. Ici, comme je disais, en temps, c'est une maison des plantes vertueuses.
Donc chacun, les fleurs ont des vibrations, ils ont des énergies. Et ces énergies, comme je le dis souvent, accompagnent l'homme dans son existence. Donc quand vous venez ici, vous n'allez pas acheter fleur pour fleur, mais surtout la fleur pour la vertu. Donc qu'est-ce que la fleur fait chez vous? Quel est son rôle et quelle utilité ça joue chez vous? Vous devez en principe connaître. C'est vrai, on n'a pas la connaissance totale des choses, mais on se forme pour mieux aider notre clientèle. Donc, au niveau des plantes, par exemple, il y a ces vibrations positives que la plante dégage à la maison. Il faut connaître pour en bénéficier. Si vous ne connaissez pas, vous ne pouvez pas bénéficier. Donc, si on prend par exemple le saule, on dit saule pleureur, cette plante-là, par exemple, il y a beaucoup de choses que les gens racontent sur cette plante, alors qu'en réalité, c'est une plante très merveilleuse, par exemple, qui reste à la maison, qui vous protège de la sorcellerie et de beaucoup de choses. Donc, il y a des plantes comme ça qui sont sur place. Il y a des plantes aromatiques aussi qu'on produit pour pouvoir faire le thé. Il y a des plantes très médicinales qu'on utilise de haute qualité, qu'on utilise, que vous allez utiliser pour votre bonne santé. Et tous les jours, quand vous le prenez, je ne suis pas sûr que vous allez à l'hôpital. Dans le but de réduire le chômage, la Maison des Fleurs Vertueuses et Poissons offre des séries de formations à l'endroit des jeunes et aussi recrute des étudiants des différentes écoles agricoles pour des formations pratiques. On reçoit également des élèves qui parfois en quête de job pour pouvoir trouver quand même quelques monnaies pour le petit déjeuner, truc là, dès qu'ils sont un peu libres, viennent. Et ça fait également une formation progressive vers le professionnalisme. Parce que eux, quand ils viennent, ils touchent un peu quelques plantes, ils enlèvent les mauvaises herbes, tout ça, ils nous aident un peu. Et en retour, ils acquièrent aussi d'autres expériences qui peut-être demain, ils pourront utiliser sur le terrain. On reçoit également des stagiaires qui viennent des lycées agricoles. On a aussi les démunis qui n'ont pas pratiquement rien et qui viennent directement en formation. Donc eux, on les prend, on les recycle et puis on les forme. Après, on va au CQM pour pouvoir les libérer. Et eux-mêmes, ils sont eux-mêmes, maintenant ils s'installent. Okay. Cela dépend du niveau de la personne. Si c'est quelqu'un qui a déjà le BPC, c'est un peu plus rapide. Déjà en 2 ans, la personne a une formation bien ciblée. Bon, ici, nous, on ne forme pas seulement au niveau des fleurs seules. On forme au niveau des fleurs, on forme au niveau de l'agroforesterie, les plantes à essence, la production, les greffages, ainsi de suite. Donc, on va également jusqu'au niveau de la pisciculture parce que, bon, on se dit que c'est un système intégré. Il faudrait que cette formation soit complète. Pour la personne qui, quant à lui, quand la personne sort, qu'il soit quand même qu'il soit très très utile à la société. Donc on le forme dans beaucoup de domaines. On demande aux jeunes de venir se faire former parce que on dit c'est ce que vous connaissez qui vous nourrit. Donc de venir se faire former sur le site, sur divers domaines qui leur permettront demain d'être eux-mêmes. Parce que quand nous prenons, par exemple, même l'entretien au niveau des espaces verts, également dans le pays actuellement, vous voyez tout au long des rues, des fleurs et autres, là, il faut des gens quand même pour les entretenir. Donc s'ils viennent et on les forme sur ces expériences-là, ils auront un parchemin qui pourra leur permettre d'être utile à la société. Également, ceux qui veulent s'installer, nous les demandons également de venir se faire former réellement sur le terrain, avoir la main pour que nous les accompagnions même aussi pour l'installation. Parce que, comme on le dit, il faut commencer quelque part et après l'appui viendra. Donc, nous demandons à tous ceux qui veulent se faire former, que ça soit les jeunes, que ce soit même les fonctionnaires, les cadres qui veulent se faire former. Parce qu'on peut commencer aussi chez soi l'élevage des choses, on peut commencer chez soi la production. Donc une fois qu'on vous donne
cette main-là, vous pouvez déjà commencer quelque chose. Les difficultés ne sont pas les moindres, parce que quand vous commencez quelque part à vous donner à ces genres de travaux, c'est les problèmes fonciers d'abord. Donc ceux qui sont autour, on vous jalouse, on vous fait. Donc ça fait que parfois même vos limites ne sont plus vos limites et on commence par vous créer des problèmes de part et d'autre. Donc ce problème existe et je pense qu'avec l'appui de l'autorité sur place, peut-être que ça pourra être réglé, parce que nous sommes des acteurs de développement et il faudrait que l'autorité nous accompagne dans ce sens-là. Il y a également le problème financier, parce que quelque part, on a beaucoup de choses à faire dans la tête qui ne sont pas encore là. Par exemple, on pense faire l'aquaponie au niveau des étangs. On pense mettre les filets en place parce que le problème d'irrigation, d'inondation, nous crée également des problèmes. Puisque au niveau d'un tronçon, il y a une quantité d'eau qui vient envahir une portion du terrain et ça fait que ça nous empêche d'être plus utile en pisciculture et bien d'autres choses. À côté de ces fleurs se trouve une boutique de vente de toutes sortes de jarres en terre cuite pour vos utilisations. Fleur de l'air, c'est une vertu de sous-sous. Pour l'oison, c'est un peu de l'eau. C'est un peu de briques ici, aux aimés. Et on t'a dit, il y a tout, quand pas même. Donc, à zone de l'eau, il y a un peu de l'eau. Il y a un peu de l'eau. À mon avis, il y a tout, aux aimés. À zone de l'eau, il y a un peu de l'eau. Il y a un peu de l'eau. Nous, il y a un peu de l'eau. À zone de l'eau. Et on a un peu de naturel. Il y a un peu de fleurs, tout fait. Et son azézin, vous êtes gona. Vous voyez, plein de mes ménages d'un thé, tout le monde est au sud. Au corsin, plein de l'homme, ouais, mais non d'un thé. Dans la maison des fleurs vertueuses et poissons, vous trouverez toutes les différentes types de fleurs ainsi que des poissons. Pour tout renseignement, appelez le 96 05 18 86.